Je mets mon casque. Et hey, les bikers là. Les bikers, les bikers. Wow, je sais pas les dire. T'as vu un peu ma bécane là? Ouais. T'as pas vu celle-là? Mais c'est à toi ça? Eh ouais, j'ai acheté ça hier. Tu l'as... Non, c'est à moi ça. Regarde, avec ma coiffure, ça va bien. Ah bah oui, je vois que ça va bien tes coiffures. Mais bon. Dites-moi, j'ai reçu un SMS d'un mec pendant la réunion que j'ai passé le numéro. C'est passé qui Il est peut-être dans vos contacts vous là? Ouais, non, je sais pas. Il te demande quoi le mec? Attends, bah il me dit quoi? Je sais que vous êtes au Il y a un mec qui me dit je sais que vous êtes au tequila là ce soir, j'aimerais vous voir, mais je vois pas c'est qui ouais. Son numéro il finit par 85 ou 99. Regardez au cas où. Django. Ouais. Ah mais vu que moi je leur ai mis leur nom mec, je pourrais pas te dire le. Attends, s'il faut que je regarde. Combien tu m'as dit? 85, 99 ça finit. Non j'ai pire, pas. Je vais lui demander c'est qui, mais le problème c'est que j'ai eu plusieurs petits problèmes. Tu vois ce que je veux dire, j'ai fermé pas mal de fois les yeux là, quand j'étais là-haut là. Donc c'est une fois que j'essaye d'envoyer un message, à chaque fois ça coûte pas mal. Ah jolie ta moto. Hey, comment tu trouves ma moto? Elle te pleure. Elle est bien. Ouais, plutôt du genre à prendre un autre type de moto, mais... Elle est belle. Ouais mais je veux faire partie du club des bikers. Ah c'est pas foufou, c'est pour se balader. Mais c'est surtout que ça tombe vite en panne, les durites tombent vite en panne. ça tombe très vite en panne. Ouais, c'est derrière l'air, c'est pas fiable. Ah ouais. C'est bien connu. C'est pas trop compliqué ça, les virages avec ça, ça couche à bien ou ça peut être... Ah c'est nickel. C'est très maniable. Vous avez passé quoi des discours là, t'as dormi pas de la merde. Mais... C'était pourri. C'était du blabla pour avoir un blabla. Pour avoir un c'était du blabla putaclic. Ouais, excusez-moi, mais c'est monsieur Gotti. Monsieur Gotti là. Les gens qui donnent des numéros comme ça à tous les mains, ça me fatigue. Hein. Ah moi il a pas votre numéro hein, mais je pense qu'il connaissait un certain Sofiane là, qui a essayé de vous contacter déjà bizarrement. Je pense que ça doit être ça. Ah. Il y a de grandes chances. J'ai connu le rendez-vous à monsieur Gauthier. Bah écoute, tiens ça m'intéresse, j'aimerais bien le rencontrer là, monsieur Gauthier là. Parti du tequila là sinon. Sauf si vous êtes pressé hein. Bonsoir. Ah non, je suis pas pressé. Oh bah je lui ai dit, parti, il y a des... Bonsoir. Bonjour. Vous êtes... Bonjour. Vous êtes... Ah c'est une discussion privée? Bah ouais, tu vois pas qu'on est en train de discuter. Je sais pas, tu viens, tu te poses à côté, tu dis pas bonjour, rien du tout. Bah j'avais pas envie de couper la parole, moi je respecte. Non, bah je sais pas, tu dis bonjour, moi. Ça, ah bah bien sûr, bon, bonsoir mes amis. Soir. Non, je vais vous laisser, j'ai rien à faire là. Ah non, ça marche. Je vais laisser essayer. Allez, fais-toi plaisir. Allez, mais mets le casque avant parce que j'ai pas envie qu'il t'arrive une galère. Fais attention, elle est fragile. Hey. Ah, putain, ça va bien. C'est pas pour moi. Enfin, ah, c'est pourtant, pas pour ça moi, va ça. Bien là-dessus. Mais arrête un petit peu, c'est vrai que j'étais vieux, putain, pour moi ça. Bah, tu crois que t'es pas encore plus jeune que nous, quoi. Ah non, mais bon. Takuma, ça tire à faire. Et là les actions chez Michelin. Le monsieur me dit que malheureusement il est recherché et il peut pas rester dans le coin. Il a un ami dans le coin et que il me demande si son ami pourrait me prendre et m'emmener.
Je vais dire que c'est son ami, on va le suivre. Non. Laisse tomber. Si tu te souviens bien, c'est un mec qui traîne avec Boshkirov, fais gaffe à toi, Terry. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est ça. Enfin, il me dit un ami à lui là qui. Ok. Non, si tu veux, accepte la rencontre. Mais nous, on prend une voiture et on vous suit. Mais c'est sans condition. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Nous, on prend la voiture. Moi, je ne monte pas dans son véhicule à lui, bien sûr. Hein. Moi, je vais lui dire. Donnez-nous un point de rendez-vous. Excusez-moi, j'ai juste pris ma moto. Vas-y. Ah, bien sûr, pas de problème. Je lui ai dit, de toute façon. Il casse pas les couilles. Hein. Ça va? Fais ça? Ouais, fais ça. Tu lui as donné rendez-vous? On verra bien ce qu'il y a quoi. Et dis-moi, ça va à peu près? Ou ça consomme trop comme véhicule? Non, ça va. Non, ça consomme pas beaucoup, ça va. J'avais déjà testé par un collègue là, les motos, là, les tricycles, les trucs. 4-3 roues là. Ah ouais, ouais, ouais. Putain, ça bien ça sûr que c'est de la ça merde. Bouffe le coco. Ça bouffe le coco, tu fais 2 km et c'est fini. Il faut aller à la pop. Tout le temps la pop, tout le temps. Ah, et puis ça vaut un bras en plus, ces conneries. Ouais, ça vaut un bras, tu peux pas passer entre les voitures. Subis la force centrifuge comme une bagnole. C'est de la merde. Et par contre, là, vous allez, je vais m'acheter à bouffer, je reviens. Bah, je reviens, je vais m'acheter à bouffer aussi. Je sais pas, à peu près 150, 100, je sais pas combien, 150, 160. Hein. Ça envoie quand même. Bah, il me fatigue lui, tiens. Bah, tu lui réponds, écoute, tu veux me voir ou pas? Qu'il arrête de se chier dessus là, putain. Bah, direct, parle-lui cash. Moi, je vais lui dire, écoute, bonhomme. Je vais lui dire, j'ai pas de temps à perdre. Dis-moi si tu veux nous voir ou pas, puis vite fait. S'il veut savoir combien on est, c'est qu'il a la tire en sale, ça pue la merde. Pourquoi il veut savoir? Ouais, il a peur de quoi? Bien sûr. Pourquoi il viendrait pas ici? On est pas bien, y'a personne, y'a pas un poulet. Ouais, y'a des caméras ici. Hein. Ah, j'avais pas vu. J'ai à l'œil, c'est pour ça, moi j'avais pas vu. Très bien. Ouais. Bon, écoute, je vais faire des post-cours, je vous dis ce que je vous dis. Pierre, donnez rendez-vous ici, hein, sur le parking du tequila, hein, parce que donc on va voir. Hein. Ah, mais il m'a dit tout à l'heure que s'il voulait pas. Qu'il voulait pas? Ah, mais explique-lui que toi, voilà, que depuis que t'as pris. Voilà, enfin. Tu t'as plus trop de plaisir. Bon, vous allez pas vous écrire en roman, putain. Tu lui dis qu'on s'est rencontré ou non. Et puis, on active alors. Ah, ouais, c'est ça. Calme-toi, Jason. Dégrafe un tout petit peu là, ta fermeture. Il me dit comprenez que je sois méfiant dans ma situation. Bah, je vais lui dire clairement moi aussi. Si bah, tu lui dis que t'es pas la police. Alors qu'il se détend un coup, je sais pas. Dis-lui que tu viens pas avec la police, et puis c'est tout. Putain, j'ai jamais autant fumé que depuis aujourd'hui. Bah, écoute, je lui ai dit, j'ai reçu des menaces de mort, donc moi aussi je suis méfiant. Si vous voulez me voir, ça vous fera non. À mon avis, c'est clair qu'il doit se méfier et d'avoir les flics sur les côtes, ce con. Bah, je lui ai dit, donnez-le sinon laissez. Voilà, parce que là, c'est quoi ce délire là? Il veut se poster, il veut mettre 5 snipers. Ah, zéro. Siri a pas les tobeys. Ouais, c'est Siri, il veut pas non plus, qu'on aille aller chercher du bois aussi, qu'on prenne des bûches. Non mais c'est quoi son problème hein? C'est quoi le souci hein? Siri pas les tobeys, mais lui il doit éviter les flics à mon avis, ce couillon. S'il a eu le numéro à Monsieur Derek, j'imagine c'est pour quoi faire. J'ai une vague écoute, idée. Écoute, tu lui dis on se rejoint au parking ouest, dernière offre, ou ciao.
va rien comprendre par qui moi. Et puis quoi, en plus Siri, mais c'est pas le meilleur tracteur du monde, ça Siri, c'est pas une connerie ça. Il va pas dans. Non mais on a pas que ça à foutre, aller au nord de l'île là, putain. Ouais, c'est ce que je veux dire. Vous savez quoi, on commence à y aller au parking comme ça. Ouais. Il a dit ok, on commence à y aller. Je monte avec toi Vlad. Ma voiture, voilà. Un peu plus sécurisé. Alors, ça dit quoi? Pas de galère sur la route? Bah, je sais pas, j'attends de voir tu sais qui est quand il va arriver. Voilà! Putain, décidément ce soir! J'arrive pas à fermer ta portière, putain! Elle est trop dure pour moi! T'inquiète! Mais y'a pas de problème! Ça dit quoi, Terry? Ouais, il m'a demandé si c'était bien le rouge nord-ouest, je lui ai dit oui! Je lui ai dit oui! Ça dit que vous voulez pas mettre avec Davao qui attend de voir combien de personnes rentrent en bas. Ah ouais. Il y en a deux qui regardent juste. Ouais, j'y vais, ouais. Attends, oh putain. Attention, oh là là, je bug. Désolé Terry. J'ai même pas touché au. J'ai même pas touché à quoi que ce soit. Ah ouais, gros bug. C'est qui ça? Je sais pas, peut-être. Monsieur Derek? Oui. Qu'est-ce que vous, monsieur? Monsieur Jackson. Okay. Mon ami qui m'envoie pour vous parler à sa place parce que. Difficile pour lui de venir en ce moment. Très bien. Je vous écoute. Est-ce possible de parler seul à seul? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Oh bah alors, c'est là, ça, vous inquiétez pas. Écoutez, ça m'embête un peu de parler, il y a trop de monde là. Ah mais on est seul à seul, je vous dis, y a pas de problème. Y'a quelqu'un vous? Y'a personne? Bah dites-moi, j'ai pas beaucoup de temps à perdre, dites-moi monsieur Jackson, dites-moi. Écoutez. Je suis arrivé en ville depuis quelques temps déjà là et j'ai entendu parler de vous. J'ai entendu parler de vous, monsieur. Et voilà, en fait, si vous voulez, dans mon parcours, je bloque à une étape là. Et cette étape, apparemment, vous êtes le seul à pouvoir m'aider à la franchir. Et je suis pas. En fait, vous êtes un gros sportif. Et vous n'arrivez pas à éteindre les échelons, je suis pas, je forme personne, monsieur Jackson. Ah, je pense qu'on s'est pas très bien compris, monsieur Derek. Ah, là, je crois qu'on se comprend pas du tout, oui, dites-moi, je comprends pas. Vous êtes bloqué à une étape. Le problème, c'est que je parle pas qu'en mon nom. Et que. J'aurais été un peu plus à l'aise si mes associés auraient été là. Parce que j'ai pas envie d'en dire trop ou de pas en dire assez. Est-ce que vous entendez? Parce que je comprends pas. Il me parle d'étapes. On parle de sport ou on parle de quoi? Je comprends pas. Du Paris-Dakar, peut-être. Ah, je sais pas. Bah, je comprends pas là. Non, excusez-moi, monsieur Jackson. Mais là, on me parlait d'un rendez-vous sûrement important. Monsieur tiens, pas ouais, un petit souci avec la justice. Qui peut pas me raconter lui-même, je crois que c'est un rendez-vous d'affaires, ou ouais, dire, je suis à la bonne affaire. Vous savez ce qui est arrivé à monsieur Gauthier? Vous êtes au courant de ce qui arrive à monsieur Gauthier? Bah non, je ne connais pas vraiment monsieur Gauthier, moi. C'est la seule fois que j'ai vu monsieur Gauthier, c'était juste après qu'une de ses collègues apparemment m'ait menacé de mort. Donc à partir de là, vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'avais pas grand-chose à... Je vais vous expliquer vite fait, alors. Ah.
il s'est passé quelque chose, il a dû quitter la ville pendant un petit moment parce qu'il est recherché par les forces de l'ordre. Le problème, c'est qu'il est toujours opérationnel et que les affaires continuent. Donc il m'a envoyé, si vous voulez, parler en son nom. Par contre, j'ai pas toute la liberté dans ce que je peux vous divulguer ou pas. Maintenant, on m'a envoyé... Vous essayez de comprendre. Maintenant, j'ai l'impression que vous comprenez pas, donc peut-être que j'ai fait erreur. C'est ça, dans ces cas-là, excusez-moi, là, monsieur. Je vais vous expliquer à ma manière une autre chose. Monsieur Gauthier, la seule fois où je l'ai croisé, c'était 15 minutes avec monsieur Boschkira me menaçait de mort dans le Comico. Donc vous voyez, pour l'instant, monsieur Gauthier, s'il ne veut pas me parler de tout ça un petit peu directement dans les yeux, moi ce que je veux dire, pour l'instant, ça cause un gros problème. Après, il reste, je suis chef d'entreprise, monsieur, j'ai une amie qui me fait retourner. Donc après, je ne veux pas trop de. Moi, je crois qu'il va peut-être parler de travail, essayer de charbonner ou quoi. Après, le reste, je ne vois pas. Mais c'est un rapport avec le travail, monsieur Derek. Mais le problème, c'est qu'il ne pouvait pas se rendre dans un endroit comme celui-ci. Attendez, c'est un peu trop risqué. Attendez, je ne fais pas attendre là. Je ne peux pas parler français. Monsieur Jackson, Steve Jackson, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça? Si je. Si un de mes collègues là, très bien, vous mettez dehors, très bien. Est-ce que vous allez vouloir prêter avec moi? Je ne peux pas. Donc pour l'instant, il me faudra d'autres explications à ce sujet-là, et puis après on va faire les choses par étapes. Ah, je suis pas au courant de ça, Ben voilà, comme ça vous êtes au courant et puis vous pourrez faire passer tout ça. Bah écoutez, c'est ce que je vais faire. Y'a pas de soucis. Voilà. Mais... Voilà. Dans la mesure où... Admettons, il vous propose un rendez-vous, il y a possibilité de pouvoir contacter. Pour contacter. Jason. Si monsieur Gauthier veut me voir et que c'est que cette... Une autre personne qui vient, ça les dérange ou pas? Parce que je suis pas toujours disponible aussi. Non, je pense qu'il comprendra. Vu qu'il m'envoie, je pense qu'il vous en voudra pas pour ça. Déjà, expliquez-lui. Parce que là, expliquez-lui que pour l'instant, je traite pas avec les gens qui vont être dedans. Donc peut-être que t'es pas au courant, mais t'es au courant. D'accord, c'est ce que je vais faire. Ouais. Ça va. Et s'il voit pas d'inconvénient, il comprendra peut-être que c'est pas facile de traiter avec quelqu'un. Oui. D'accord, j'ai bien compris. Bon. Écoutez, messieurs, pas vous retarder plus longtemps, vu qu'apparemment vous êtes chef d'entreprise et que peut-être c'est de l'argent. Merci de m'avoir écouté. Hein. Écoutez, le temps c'est de l'argent, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est. Moi, la seule fois, où j'ai vu monsieur Gauthier, c'est très peu près qu'à la monsieur de mort, il était avec. Donc, je pense qu'il y a eu un petit malentendu, mais je vais lui expliquer. Peut-être juste que monsieur Gauthier doit faire attention à ses relations aussi, peut-être. C'est fort possible, monsieur. Voilà, comme ça, vous lui tenez au courant. Et voilà, je vous souhaite une journée. Ouais, merci, vous aussi. Au revoir, monsieur Derek. Toi, tu m'en colles une autre. De suite là. Tu m'as collé de suite toi. Ah plus fort. Erreur de débutant quoi j'ai fait. Erreur de débutant. Toi me colle moi aussi aussi là. Ah, t'inquiète Jason, il t'a déjà bien marqué. C'est quoi le problème Thierry? Le problème c'est que ce connard je le connais pas et puis j'étais appelé Jason devant tout le monde. Je fais des rares, putain. T'inquiète pas, de toute façon, il faisait le con avec ses téléphones. C'est pas grave. Portables, là. Écoute. Arrête d'envoyer des messages, c'est couillant. Si tu veux, je peux faire l'intermédiaire. Si tu veux, envoie un message. Ouais, mais je sais bien, c'est pour ça que je te. C'est ce que je lui faisais comprendre, c'est que si c'est pas moi qui viens, ça peut être toi, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai dit ton là et je me suis senti con comme un connard, là, pendant 5 minutes. Putain, c'est erreur de débutant, ça. Direct, c'est pas grave, il a donné son nom aussi, Bobby, là. C'est pas grave, c'est ça. Et tant ouais.
Ouais, ça m'agace, ça m'agace. C'est ta petite frappe. Et c'est vraiment du début, putain, j'ai déjà fait ça, il y a 10 ans, et là j'ai tombé dans le panneau comme un bleu, putain, un bleu vite. Un bleu vite, putain de merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Bref. En tout cas, l'autre il doit pas être au courant de ce qui se passe. Tout à l'heure, j'étais à deux doigts hein, dans les putain de tequila là, de dire, les menaces de mort. C'est rigolo ça, parole de monsieur Boschkira. Et puis j'ai dit, ferme ta gueule, ça va partir avec tout le tequila là. Avec les 50 minutes de base, ça servait à rien. Ouais, c'est parti en couille. Non, ce problème, c'est que moi, il faut que je sois bien vu au maximum par les Speedy et à la fois, il faut être un peu partout, quoi. On peut pas être. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas non plus changer. Ouais, c'est pour ça que. C'est pour ça que. Vaut mieux pas que tu fasses ce genre de rencontre derrière. Bah, bien sûr, bien sûr. Attends, parce que j'ai envoyé. Je vais juste lire les SMS vite fait, parce que j'en ai reçu pendant. Parce que si c'est de l'argent sale qui veulent blanchir, je peux m'occuper du transport, tu vois. Je peux m'occuper de m'arranger avec eux. Et puis ils ont sûrement des informations que je n'ai pas, tu vois. Donc il y a peut-être moyen de s'arranger, quoi. Bien sûr, ça c'est. Your business is your business. Écoute, il n'y a pas de problème. Et puis de toute façon. Okay. Il faut qu'il comprenne à Monsieur Gothic, parce que c'est ça sort le truc à 10 000 km, bien sûr que c'est ça, hein, on n'a pas non plus Monsieur Jackson, il n'est pas venu là pour demander s'il voulait travailler à la mine, hein, pas non plus. C'est très bien que je ne vais pas l'embaucher à la mine, si c'est ce que je veux dire, quoi, si le mec qui se balade, qui a des malades... Bah écoute, vu qu'il peut pas venir en ville et que toi tu peux pas aller, tu peux pas bouger de la ville, si tu veux, envoie lui direct un message, prends ma bécane et je vais le rencontrer. Ouais, j'attends, laissez-lui le temps que Jackson il pas un petit peu de ça, va le faire un petit peu pour monter un peu, tu vois ce que je veux dire. Par contre, le truc c'est que si tu ne comprends pas, M. Gothic, il doit prendre beaucoup dans tes poches au début, il va manger des pâtes. Hein. Pour l'instant, officiellement, moi tout ce que j'ai vu c'est traîner devant le Comic Con avec M. Boschkira, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc un jour ça le dérange pas de venir me rencontrer avec Monsieur Boschkirov dans l'OQBCA et le lendemain il peut plus aller en ville. Donc moi je vais bien être gentil hein, mais Ah mais il est recherché apparemment. Ouais, mais est-ce que ça c'est mon problème? Non. Voilà. C'est le tien? Non plus. Parfait. C'est le problème de personne alors. Oh putain, et le mec, je lui dis, ce n'est pas ce que j'ai dit, il me dit, c'est ce que mon ami a compris, pas de soucis, je lui ai dit, donnez à l'endroit, voilà, que vous êtes baisant bientôt. Oh merde, désolé, putain. Non, mais il est bien comme ça, c'est bien. Ah, tu le dis souvent, ça commence à être relou. Ouais, ça permet de me voir. Je vais commencer à glisser, moi aussi. Ça permet de mieux voir ta crinière. Ouais, mais y'a pas besoin de voir, c'est un bandana, c'est pas pour rien. Ah, pour toi c'est belle crinière. Bah alors, du coup il t'a donné un rendez-vous là? Bah il demande si Siri pas les taux possibles, donc apparemment il dit ah il va être bûcheron. Putain, ils habitent là-haut carrément. Ils ont un squat là. Ah, vas-y, dis-lui que j'arrive. Je peux monter derrière toi juste pour aller. Hop, je vais. Amène-moi juste au garage, je vais prendre ma voiture. Du coup, je reviens te chercher, d'un coup. Moi, j'ai un problème à régler. Hein. Du coup, ça peut t'intéresser, il faut que la fracasse Knuck, si tu veux venir. Hein? Vous pétez la gueule à qui? Là, y'a un sac de téléphone ou quoi, Vlad? Le médecin. Un médecin qui a ploté ta femme ou quoi? Exactement. Putain, je m'en doutais. Ah ouais? Ces enculés, ils ont toujours les mains baladeuses. Profité qu'elle était. Qu'elle était coma. Non, oh les bâtards. Et ils ont fait quoi? Ils l'ont ploté pendant qu'elle était dans le coma et tout. On va lui casser crâne directement. Direct. La fausse. Bah vas-y, au pire, allez-y. Puis quand ouais. Jason arrive, j'irai avec Jason, mon gars. On va voir que vous voulez. Bon. Viens, Django. Ouais, Tiens, il arrive, je suis sûr, en train de monter. Tiens, il est là, Jason. Hey Jason, je vais aller avec toi, ils vont aller péter la gueule à un mec qui vient de ploter Fang là. Ça marche. Ils vont aller se défouler sur un mec là. Ça c'est bon ça.
Tu veux de la crème solaire? Ah putain, je suis en train de cuire. Attends. Ah bah voilà. Il est tout seul encore. Monsieur, bonjour. 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 Ça va bien pour vous? Ouais, très bien. C'est toi, John? Oh ouais, c'est Gauthier, ouais. Ok, nickel. Bon bah écoute, Derek, tu m'envoies, c'est ça? Ouais, on vient de la part de Derek, ouais. Ok, je vois qu'avec collègue tout à l'heure, là, il y a eu un peu de mal à se comprendre, apparemment. Ouais, je pense qu'il y a eu du mal à se comprendre, carrément. C'est pour ça que je viens, pour mettre les choses au clair. Je pense qu'on va pas spécialement perdre de temps, de toute façon. Non. On est au courant un peu de ce que les autres font. Dans cette ville, les gens, ils parlent trop. Ouais. Moi, je sais que c'est vous... enfin, c'est par vous qu'il faut passer pour voir avec au niveau de l'avril. Ouais. Bon, vous savez ce qui m'est arrivé hier ou pas un peu? Voilà, on a cru entendre que t'étais recherché, mais les détails, on sait pas. En gros, les flics qui débarquent à l'agriculture, on va vérifier si vous avez les bonnes charges dans votre tracteur. Et le flic, bah, il a trouvé pas mal d'argent sale dans le tracteur, quoi, apparemment. On est au poste, dans le tracteur. Après, ouais, c'est fuir, normal, hein. Ouais, voilà, tu caches ton argent sale dans le tracteur. Bah ouais, je suis pas malin en fait. Non, c'est pas normal, ça. Ah, je suis pas malin, j'ai mis dans le tracteur en fait. Je suis pas malin. Enfin bon, bref, j'ai réussi à m'enfuir et bah voilà, ils me recherchent, quoi. D'accord. Bon. Après ça, c'est ton problème, hein, j'ai envie de te dire, mais ça ne t'empêchera pas de faire des business. Non, je comprends, pas de soucis. Ça m'empêche pas de continuer à faire mon business de toute façon. Très bien. Écoute, moi je voulais savoir comment ça marchait à votre niveau. Écoute, c'est simple. Monsieur Derek, il est dépendant de son comptable, tu vois. Donc son de comptable, son il peut. Contact. Ah, son le comptable. Comptable. Ah, okay. Ouais. Ah, je savais même pas qu'il avait un comptable. Voilà. Ah ouais, il y a un comptable. Et le comptable, il peut faire passer des sommes dans l'argent de l'entreprise, mais c'est pas toujours les mêmes, tu vois. On parle de quelle somme actuellement? Ça dépend, ça va entre 300 et 700 000. Ok, c'est bon, j'ai une somme qui est entre 300 et 700 000. Ouais, non mais attention, t'es pas le seul sur le coup, John. Ça marche pas comme ça. Ça marche comment alors? Je vous écoute. Ça veut dire que si jamais tu veux nettoyer ton argent sale, il va falloir que tu acceptes de laver ce qu'on te propose de pouvoir laver, point barre. Ok, mais vous parlez de me proposer combien? Ben pour l'instant, là, je sais pas, parce qu'on n'a pas vu le comptable. Mais le problème, c'est que là, vu que je suis recherché, c'est un peu galère de garder ça. Ouais, mais je suis désolé, là, mais c'est comme voilà, ça que ça fonctionne. C'est un risque. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez me dire une fourchette, éventuellement, pour une première. Pour un premier essai? Je pense que 250 000, ça pourrait être possible. Sans trop m'avancer. Pour le moment, ça sera ça. Ok, ça me sachant part. Que si, tu récupères si, 50%. C'est ça, sympa. 50%? Ah ouais. Et on prend pas de part c'est... là-dessus. Hein. C'est énorme, les gars, quand même. Vous êtes au... vous savez, ouais. Vous savez quand même que c'est énorme. Ouais, ça, je suis au courant. Business, hein, sachant que je suis au courant. Ça fait un moment que je suis au courant. Et on n'a pas le choix. Ok, d'accord. On n'a pas le choix. Ok, bah de toute façon, moi c'est. Soit dit en passant, même à 50%, c'est quand même plus rentable que n'importe quel métier, John. On est d'accord, mais c'est pas les mêmes risques, hein. Moi je me suis fait dans la gueule les risques là. Ah, bien sûr, je sais de quoi tu parles, crois-moi. Et ouais, donc en gros, il y a pas moyen de négocier de donner une plus grosse somme pour avoir un meilleur pourcentage. Non, je vais faire mon possible de mon côté pour qu'ils puissent blanchir le maximum, que tu puisses avoir la plus grosse place possible. Mais bon, il y a aussi la mienne et je suis pas le seul. Ok, écoutez-moi, 250 000 pour une première fois, ça me va. Après, j'ai plus et j'aurai plus par la suite. Et on parle de. Est-ce que vous n'avez pas savoir par semaine combien de fois on peut mettre 250 000 ou 500 000, je sais pas. Non, combien par je semaine, suis tributaire. Je suis tributaire du comptable tout comme toi. Ouais, c'est surtout qu'il va falloir. Tel comme ils sont. Je comprends. Il va falloir qu'il faudrait peut-être que tu essayes de parler. Ok. Écoute, peut-être que tu essayes de parler direct. J'ai pas attendu. Ouais, je sais, je comprends. J'ai pas attendu que tu me demandes pour que je fasse ce qu'il faut. C'est là où ça en est pour le moment. Je continue à travailler là-dessus, t'inquiète pas.
Ensuite, et le délai de blanchiment, juste le délai. Si je vous donne l'argent à vous, je suppose. Ouais, mais ce sera pas maintenant, John. Non, non, je sais, mais je vous demande si la prochaine fois qu'on se voit, je vous donne l'argent. Ouais, tu dois avoir l'argent à moi. Ramener l'argent blanchi. Ouais, j'ai bien c'est ça. Assez rapide. C'est assez rapide. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire que c'est assez rapide. Ça peut prendre 10 heures. C'est possible qu'on se donne un rendez-vous, un premier rendez-vous pour que je vous donne l'argent et un second rendez-vous hors ville. C'est ce qu'on fera. Ok, nickel. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez quelque chose d'autre à me dire. Non, on n'a pas fait le tour. Je vais prendre votre numéro. Il y a une condition d'entrée là, John. Je t'écoute. Si tu veux qu'on puisse travailler ensemble, il va falloir nous donner quelques informations. C'est-à-dire ? Ben, après le démantèlement de la cocaïne, vu qu'on était sur la cocaïne, on s'est retrouvé sans rien. Donc, j'ai vite compris. J'ai vite compris. D'ailleurs, moi, je suis au courant de ce que vous avez fait. Enfin, je pense que c'est vous. Vu que j'ai vu un de vos collègues, l'histoire de la prise d'otage, etc. De la prise d'otage. Y'a personne qui est au courant de quoi tu parles. Je vous explique ce qui s'est passé en gros. Je vous explique, les gars. Moi, j'ai croisé par hasard le mec qui s'était fait prendre en otage. Il m'a décrit juste une seule personne qu'il a un peu, il a pas connu. Je t'explique un truc. Il s'est pris une balle dans la tête. Il est mort. Alors je vous explique. Bah ça, il l'a dit au flic. Je vous explique. Il a dit au flic la description d'un mec. Je sais, c'est possible. Moi après ça, je m'en fous. Il me l'a dit à moi. Il l'a dit au flic. Il a peut-être dit à d'autres personnes. Après, je comprends. Je savais pas qu'il s'était pris une balle. Il m'a dit, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et en gros, il a dit la description d'un Renault avec des dreads blondes. Et il n'y en a pas 46 000 en ville, les gars. Comment ça, il n'y en a pas 46 000 ? Attends, je lui ai dit, C'est une ville de 10 millions d'habitants. Comment ça, il n'y en a pas 46 000 ? Je sais. Tu sais très bien comment les flics ils marchent aussi après. Tu sais très bien. Ils ouvrent une enquête, ils ont une personne. Tu sais très bien comment ils marchent. Ouais, je sais bien, mais on n'est pas inquiété, on comme est 10 millions, il n'y a pas de problème. Ok, tranquille alors. Non, moi je veux juste vous prévenir, c'est tout, je m'en fous après. Je te remercie. C'est pour vous dire quoi. Ah ouais, c'est cool. C'est donc voilà ça, l'idée, c'est que le mec qui sort de l'hôpital et il parle aux gens, c'est quoi son délire à cet enculé là? Que je retombe pas dessus, ma parole. C'est quoi la condition que vous voulez de ma part? La condition, c'est que tu nous mettes au parfum pour un business. Qu'on puisse faire tourner la machine. N'importe lequel, les champignons, les extasies, la weed, ou la coke. La weed, peu importe. De toute façon, je pense qu'on a encore le temps. Moi, faut que j'y réfléchisse pour ça. Okay. Bah, c'est la condition si tu veux blanchir ton argent. C'est simple. Je comprends, mais après moi je suis pas tout seul, faut que j'en parle à mes associés et qu'on en reparle. Je vais prendre le numéro de l'un de vous. Vous pouvez me le donner dans 10 secondes. Tu peux mettre sur le. Tu mets J, ça ira J, ok. Monsieur J. Ok, c'est noté. Tu vois moi un message Ouais, je vais en parler à mes associés. Par contre, si on fait ça, vous, je pense que vous voulez tout le trafic, clairement, quoi. Bah, on veut faire de l'argent, John. C'est pas compliqué. Pardon ? On veut faire de l'argent, donc il nous faut tout. Ouais, je comprends. Mais vous voulez quand même tout le trafic. Qu'est-ce que vous avez déjà ? Dites-moi ce que vous avez, et on peut voir sur quoi je peux vous aiguiller, peut-être. Bah, on avait la cocaïne, on a plus la cocaïne. Ouais, pareil, la cocaïne j'ai pas trop fait parce que je savais que vous étiez dessus, je savais qu'il y avait les flics dessus, donc c'était pas intéressant de faire ce trafic. Vous avez d'autre ? Est-ce que vous avez des bases, des récoltes, etc. Non, on a la récolte de la weed, c'est tout. Ouais, mais ça toute la ville là quoi. Évidemment. Ok les gars, je vais vous recontacter. D'ici peu, vous restez en ville là pour la. Envoie-moi un message avant de partir, j'ai ton numéro, tu me contactes quand tu veux et je te rejoins. Tu me donnes un point de rendez-vous. Je t'envoie un message là, vite fait. Si tu veux, tu me dis même point de rendez-vous et je reviens ici comme tu veux. Ok, ça marche, bien reçu. Bon les gars, merci à vous de prendre ça sur votre temps et on se tient au courant. Ouais, pas de problème, ça marche. Bonne journée.
ils ont réussi à choper l'enculé là ou quoi? Ça, putain, moi je me refroidis les couilles devant le ventilo, là ça fait du bien. C'est quoi le programme? Ah, programme, il est parti voir, il a négocié avec monsieur John Gotti là. Ouais. Ah, le mec il veut déjà laver plus d'un million, ma gueule, il fait rire le mec. Il a pas compris comment ça va marcher. Putain. Ah, lui on dit, on lui a dit on va essayer 250 000, mais. En espérant qu'il nous propose au moins 500 000 pour qu'on mette 250 000 à nous, quoi. Et du coup, en échange, il nous donne il nous donne le point de je sais pas quoi. Du coup, Django, il est parti voir avec lui. Ah, ok. Bon, moi, je vais m'occuper du médecin, là. Parce qu'il paraît, il est revenu. Mais alors, il était... Il, c'est quoi, lui? Il est dit... Vas-y, je vais venir avec toi, si tu veux. Ah, attends, je vais demander à Fang. Tu me dis si y avait une derrière, j'interviendrai pas, je te laisserai mettre le coup de non, batte. Non, t'inquiète, c'est nous. Fang a rien à voir dedans, t'inquiète. Ok. Putain, t'as vu celui-là? Le Kama Sutra, mon pélo, t'as dû le retourner avec Fang, celui-là, le quatrième, là. Oh putain. Viens voir. Et mais y'a que des livres chinois, et la Chinese Four Art, là. C'est pour Fang, ça. Viens voir, regarde ici. Putain. Oh putain! Ah ouais, tu l'as laissé poser là, toi! Ah, tu l'as laissé poser. Je suis épuisé! Ah, j'imagine! Fang, elle m'épuise! Ah, j'imagine! Attends, j'attends qu'elle m'envoie les réponses! Vas-y, t'inquiète! Ok, viens! Ta voiture là? Tu vois le mec là-bas, pantalon rouge. Ouais. C'est lui. Pantalon rouge là. Putain, y'a le capitaine juste là. Calling back. Well, my man sure loves a bustiere. Does Inspector Knickers sell those? Mais il arrête pas de la coller le mec là. Quoi?
Il arrête pas de la coller le mec ou quoi? Ah t'inquiète, il va coller autre chose. Putain mais y'a le capitaine là-bas bordel. Faudrait qu'on l'attrape sur le côté gauche du commissariat là, le long de cette ruelle là là. On va prendre son service, on va l'attendre à l'hôpital. On va le suivre. Vas-y, vas-y, pas de problème là. On va le traquer. Ouais, c'est l'autre, le médecin à moitié fou là qui prend des médocs là, non? Ah, c'est lui. Ok, ok. Bizarre ce mec. Il est parti dans la ruelle où on a garé la bagnole. Viens, viens, on va aller voir. Sors ta batte, sors ta batte. Attends, attends, si jamais. You know, I don't mind being labeled a crackhead. La prochaine fois, tu parleras mieux aux femmes, espèce d'enculé. Tranquille, tranquille. Vas-y, on se bat. Il a compris, il draguera plus ta femme. Mais il a compris, je crois. Au boulot, beaucoup de battes. Hein. Putain, les coups de main. Bien joué. Putain, ça va. Petite réception, t'inquiète pas. Envoie un message à Franck pour lui dire que il va pas lui remettre la main tout de suite, je pense. Il n'y a même pas le temps de voir nos visages. T'inquiète pas, travaille propre. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai vu ça là, beau boulot mon pote. Beau boulot mon blé. T'inquiète, travaille pro, direct. Ah, Georgette, elle est contente. Ah ouais, 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 c'est bien. Ah, nickel, nickel. Je vais nettoyer Georgette, il y a encore du sang dessus. Ouais, ouais. Putain, je l'ai calmé cet enculé. Mais grave, demain il va prendre double dose de médoc, ce coup. Il va vider l'hôpital même. Ouais, mais déjà pendant la campagne du futur gouverneur là, il se comportait un peu chelou là, il s'est mis à jouer de la guitare et tout. Complètement taré. Ah, ouais. En plus il a tapé Fang pour aucune raison cet enculé. Ah ouais, s'il s'en prend à ta femme, grosse erreur, il aurait pas dû. Ouais, nettoie bien la batte. Ah non. Qu'il n'y ait plus de traces. Ah, t'inquiète. Nickel. Faut pas de trace. Hey, c'est arrivé tellement vite, tu l'as surpris à l'angle, il a même pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Il a vu que des étoiles, le con. Il a vu que des étoiles. Ouais. Ah, ça c'est un mouvement, hein. Des années d'expérience pour acquérir cette méthode. Hein. Ah, je vois ça, je vois ça. Oh,
Ah, pour le fêter, ça, une petite bière, une petite vodka, pardon. Ah, une petite bière, un petit pilon là dans le cendrier là, je vais. Tiens. Je vais le rallumer là. Tiens, ça c'est pour toi. Ah merde, je l'ai bu. T'inquiète, t'inquiète. Ah, c'est merde la vodka. Ah, je vais en boire une direct. Nastrovie. Je fais des pilons et je vais la boire direct. Ah, brûle bien la gorge. Ah, c'est de la bonne. Ah, du coup, alors demain je vais écrire le document là pour me présenter et je vais faire le meeting demain soir. C'est bon, demain ça. Après-midi. Ah, en fin d'après, mon gars. Ouais, c'est bon. 18h, 19h, c'est bien, non? Ouais, nickel. Hein. Ouais, c'est pas mal. Si je passe gouverneur du haut, on a la ville à nos pieds. Oh putain, que ça serait bien. Ah oh putain, je te le souhaite, mon Vlad. Ah, bah, j'espère que j'aurai soutien. Ah, direct. Ah, c'est cool, c'est cool. Je sais même pas c'est quel jour les élections, c'est dans une semaine, deux semaines, je sais même pas. Dimanche. Ah, c'est dimanche, là. Ah, ok. Ah, je crois que c'est dimanche. Bottles, popping bottles.